Leçon de cette crise, notre dépendance vis-à-vis de l'étranger, on s'en est douloureusement rendu compte sur les masques et le matériel médical, mais c'est aussi le cas quant à la fabrication de médicaments. Cette industrie a pourtant existé sur notre sol. La France a ensuite encouragé sa délocalisation pour des raisons financières, mais aussi écologiques. Alors, peut-on la faire revenir ? Florence Lecnec, Patrick Ninine et Arnaud Ifergan. Approchez-vous de cette cuve pour comprendre la crise qui pèse en France sur le médicament. Le précieux liquide bleu que vous entreapercevez est en fait ce qu'on appelle un principe actif. Secret industriel, nous n'en saurons pas plus, mais retenez qu'on parle ici de la substance qui soigne, celle qui donne toute son efficacité à votre traitement. Vaccins, antibiotiques, comprimés pour le cancer, l'hypertension ou les maladies cardiaques, tous contiennent un principe actif. Seulement voilà, cette usine de Pithiviers est l'un des rares sites français à encore produire ces indispensables matières premières. 80% des médicaments qui sont distribués en officine ou qui sont utilisés en milieu hospitalier en Europe contiennent des principes actifs qui sont fabriqués en Inde et en Chine. Et c'est le fruit d'un mouvement de délocalisation massif qui s'est opéré dans les années 90 de l'Europe vers ces zones à bas coût. Depuis quelques années, cet industriel fait donc le pari de relocaliser la production et veille sur 5 usines françaises. En pleine crise sanitaire, ce positionnement bénéficie enfin d'une écoute et soulève des questions, à commencer par un premier casting.